chose. Bonjour les enfants, bon appétit. Bonjour. Le premier service à 11h30, c'est les tout petits. Midi 15, c'est les moyens et les petits. Et 13h, c'est les grands. On a dû procéder comme ça en raison du Covid, enfin pour respecter les gestes barrières. Moi, j'ai juste une question. Oui. Parce que du coup, forcément, ça a dû vous changer. Le fait de faire 3 services, d'habitude, vous n'en faites que 2. Oui, ça va empiéter sur les cours, en fait. Au lieu de finir le service à 13h30, ils finiront vers 14h. Et ça, c'est depuis le Covid ou c'est spécialement aujourd'hui parce qu'il y a eu plus d'enfants? C'est déjà arrivé, mais depuis qu'il y a les gestes barrières à respecter, on est obligé de procéder comme ça, sinon les enfants sont trop proches en fait. Pourquoi au loin on voit des barrières? Alors c'est pour séparer, les enfants ne sont pas brassés. Comme à la cantine, ils sont classe par classe. Là, vous voyez, il y a un élastique par terre, c'est pour séparer aussi. Et pour les récréations scolaires et pour la cantine. On était plus dans les classes avec les enfants pour les ateliers que maintenant on est là pour désinfecter tout ce qu'ils ont touché, tout ce que le nettoyage des salles d'eau, en permanence. À chaque passage d'enfant, on est obligé de nettoyer. Donc c'est vrai que les ateliers deviennent de moins en moins dans les classes avec les maîtresses et les enfants. Quoi. Il faudrait plus de personnel, plus d'animateurs. Là, on va commencer cette pièce. Donc, on va commencer à vider toutes les pièces qui sont vides. On va donner un coup sur les tables. Puis, on va remplir les savons. On va mettre le papier essuie-mains, le papier toilette, partout. Quoi. Si. On va tout à Pourquoi vous faites tout ça? Pour désinfecter vraiment, pour que ça soit propre vraiment. Bien désinfecté, c'est le corona. Oui. Donc on fait vraiment plus par rapport à ce qu'on faisait avant. Vous faites plus que d'habitude, c'est ça? Oui. Pour le bien de nous tous, hein. Les enfants, surtout les enfants. Avec la maladie, on a plus de boulot à faire, je trouve. On a plus de choses à désinfecter. Parce que tout ce qu'on partout on passe, on est obligé de désinfecter. Tout ce qu'on touche, on est obligé de le faire. On s'entraide, franchement, donc voilà quoi. On s'entraide. Et puis, on travaille vraiment en équipe. Notre rôle, c'est veiller à la sécurité des enfants, de l'école et de la propreté des enfants, de tout le monde, de l'école quoi. C'est très important.